Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme prévu pour la réalisation d'un petit marque-page. Donc pour rappel, c'est mon marque-page de la Belle au bois dormant avec le prince devant le château. Et en fait, ça c'est le sol, hein, tout simplement. Si vous avez vu l'unboxing, voilà, je me demandais ce que c'était. Mais c'est le sol tout simplement. Donc voilà un petit marque-page en point compté. Donc je vous rappelle qu'on le fera recto verso. J'ai eu deux bouts de toile comme ça plastifiés. Donc moi j'en ai pris qu'une parce qu'on va déjà faire une face et on fera l'autre plus tard. Ou je ferai peut-être qu'une seule face avec vous. Voilà, ça sert à rien de faire deux fois la même chose. Je ferai la deuxième de mon côté et puis on le terminera ensemble. Donc je me suis préparé mon petit patron. Un bout de toile. Alors vous voyez que j'ai déjà mis des petits traits au stylo. En fait le premier, voilà, c'était une erreur. Donc je vous rappelle, hein, c'est le stylo qui est arrivé dans le kit qui s'efface à la chaleur, donc au fer à repasser. Le premier c'était une erreur. En fait j'ai compté, on a 28 points de large sur 85 points de haut. Et donc il fallait que je cadre sur ma toile en fait, hein, c'est comme ça qu'on débute le point compté. Donc moi je commence toujours par un coin et donc j'ai compté en fait combien ça me prendrait pour avoir 25 points. Donc j'ai d'abord démarré de là mais ensuite je me suis mise ici parce que du coup sur les 85 points de haut j'ai encore un petit peu de place en haut pour après faire ma fermeture. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais en tout cas j'ai essayé de centrer à peu près pour avoir de la place pour coudre mon marque-page au fil de pêche, assembler les deux parties. Donc je me suis mis une petite trace ici et alors on va commencer ensemble. Donc on va faire 25 points de la couleur 2, c'est le 310, hein, c'est le noir, donc on va faire 25 points comme ça. Alors moi normalement je compte voilà au fur et à mesure, mais je vais vous montrer qu'on peut mettre des petits repères aussi. Donc les petits repères en fait ça va être simplement pour s'arrêter voilà au niveau du jaune. Donc vous pouvez bah, avec ce stylo mettre des points comme vous voulez, vous faire des quadrillages, voilà. Ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Moi ben, je me mets le premier point et ensuite je garde mon patron à côté et je compte. Voilà, tout simplement. Je sais que une fois que je vais arriver à mes 25 points ici, donc on va peut-être se mettre un repère pour ne pas se tromper. Donc je vais compter simplement comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. Donc je compte mes petits carrés. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc voilà, le dernier, il se fera ici. Voilà. Et ensuite, donc, je vais faire 25 points noirs comme ça. Et ensuite, je vais continuer donc sur toutes les rangées. Et je vais compter le nombre de rangées complètes que j'ai. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 rangées complètes de couleur numéro 2. Voilà. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, surtout. Donc, on a dit 7. Oui, c'est bien ça. Donc, si on commence là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ici, ce sera ma dernière rangée. 4, 5, 6, 7. Voilà. Ah mince. Alors, vous voyez, je viens de faire des cochonneries. Donc, ça, ça bave. Hein. Voilà, je viens de m'en mettre partout. Donc, faites attention, laissez bien sécher quand vous utilisez le stylo. Voilà. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Alors, je ne me suis pas servi de l'aiguille qu'il y avait dans le kit. Elle était trop fine. Hein. Moi, je préfère ce genre d'aiguille. Donc, voilà. On est en 14 CT, c'est indiqué dessus, donc on utilise deux brins. Donc je me suis préparée deux brins. Je n'ai pas coupé ma longueur, hein, j'ai gardé toute la longueur du fil. Hop. On enfile, voilà, le fil sur l'aiguille. Hop. Je vais quand même limiter la longueur, voilà. Pas tirer mon bras trop loin. Donc je me garde, je vais essayer de vous laisser comme ça en haut, comme ça vous l'aurez quand même dans le champ.
Et puis, ben, on va commencer et on va commencer comme d'habitude avec un point d'arrêt. Donc, sur ma trace ici. Alors, la toile est plastifiée. C'est la première fois que je brode sur une toile plastifiée. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc, je tire. Du coup, je me suis mis du stylo partout. C'est pas grave. Voilà, je l'ai tiré vraiment à ras. Alors, je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu sur ce que je fais. Est-ce que je peux? Ah là là. Voilà. Normalement, là, vous verrez mieux. Vous voyez plus le patron. Voilà. Donc, j'ai passé mon fil. Je repique. Donc là, vous voyez qu'il n'y a que... deux brins de toile à chaque fois et pas trois. Donc c'est un petit peu plus dur, hein, voyez. Et à chaque fois deux brins et pas trois. Donc vous piquez au milieu des deux pour faire votre point d'arrêt. Donc j'ai pris une aiguille quand même à bout pointu, hein, parce que je pensais que ce serait un petit peu plus rigide. Et effectivement c'est mieux. Je fais mon point d'arrêt et je vais aller faire mes demi-croix jusqu'au bout et on va revenir pour fermer les croix. Voilà, comme une broderie classique. L'essentiel est de bien commencer en fait en point compté. Bon, attendez, on va virer quand même le patron, je vous le remontrerai plus tard, mais au moins vous voyez bien ce que je fais ici. Donc, Isabelle, si tu passes par là, non pas Isabelle, Catherine, si tu passes par là, tu m'avais dit que tu voulais voir de près des points. Donc voilà, là je pense que ce sera assez près pour les débutants. C'est la même chose, hein, c'est un point de croix, que ce soit sur une toile rigide, en plastique, en coton, en 14CT, en 11CT, la croix c'est la même. Le nombre de brins est simplement différent. Alors je suis curieuse aussi du rendu parce que bah, la toile elle me paraît quand même assez, assez large. Hein. Les carrés m'ont l'air quand même assez larges. Et je me suis demandé pourquoi ils n'avaient pas fait ça en 11CT pour que ce soit un petit peu plus fluffy. Hop, j'ai un nœud. Voilà. Donc, je suis bêtement et simplement les instructions pour ce premier kit. Vous savez que j'ai un autre marque-page. Si le rendu de celui-là ne me plaît pas, j'essaierai peut-être de broder avec trois brins sur le second. Voilà, comme ça on aura peut-être aussi la différence. Donc une fois que vous avez vos repères, donc on va attendre la fin de la ligne. Ah là là, c'est le problème quand on coupe plus, ben, il faut faire doucement parce qu'on a des petits nœuds qui peuvent se former. Je regarde le rendu, j'ai du stylo vraiment partout, hein. J'ai fait le cochon. Hop. Donc voilà, l'essentiel c'est de bien commencer, de bien compter. Oh, c'est pas possible. Et ensuite, eh ben, vous n'avez qu'à avancer ligne par ligne. Et comme disent ceux qui ont besoin de plus de repères, eh ben, vous pouvez tout faire au stylo. Moi, je me mets vraiment le minimum. Je ne me serais même pas mis hein, celui-ci. J'aurais compté 25 dans ma tête au fur et à mesure que je fais mes points. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut vraiment se mettre des repères de partout.
Alors, au niveau du point sur la toile rigide, bah, c'est plutôt agréable en fait, je trouve. Cet effet de passer dans la toile plastique. J'ai l'impression que ça frotte moins le fil aussi par rapport à une toile coton. Ça passe quand même mieux, vous voyez, que coton sur coton. Enfin, fil de coton dans une toile de coton. Ça gratte un petit peu plus les bords hein, quand on passe dans le trou. C'est pas mal à broder, franchement. J'ai vu que sur Amazon, ils vendaient des bouts de toile plastifiée vierge. Comme ça, on peut faire bah, des petits. Je me dis pour des petites suspensions, vous savez, à Noël, on peut en compter. Qu'on peut après bah, fermer comme le marque-page et suspendre au sapin, par exemple. Voilà. J'aimerais tellement faire ce genre de choses. On verra si d'ici fin d'année, j'ai terminé assez de projets pour commencer des petites choses comme ça. Ça me plairait bien vraiment. Voilà, alors, normalement, on est arrivé sur notre marque. Donc, avant de refermer ma croix, je vais quand même recompter avec vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok. Donc on a bien. Pourquoi 25? Je suis bête, je suis partie sur 25 points alors que c'est 28. J'ai confondu 28 et 85. Bon, ben, du coup, il me manque 3 points. Il sera plus trop centré, mais c'est pas grave. Donc 26. Normalement, on aura encore. Vous voyez, les erreurs. 27 en vidéo. J'avais bien compté avant. Et là, j'ai mis le repère avec vous. Je suis partie sur 25. Je ne sais pas pourquoi. Et 28. Voilà. Donc voilà, en fait l'essentiel, c'était que j'ai encore un petit peu de marge ici pour pouvoir avoir au moins un ou deux carrés, vous voyez, pour fermer. Donc, maintenant, on peut revenir et fermer nos croix. Alors, je vois que je brode déjà depuis 11 minutes. Donc, vous vous imaginez bien que je ne vais pas faire, par exemple, tout le noir avec vous, hein, parce que sinon, la vidéo, elle dure 3 heures et ce n'est pas du tout intéressant pour vous. Donc, par exemple, là, on va faire une ou on va peut-être commencer la deuxième ligne ensemble. Ensuite, je ferai les 7 lignes de mon côté, je vous reprendrai, on montera ensemble, etc., etc. Voilà, histoire que ce soit un petit peu intéressant pour vous. Voyez toujours bien ce que je fais. Ouais, je vérifie en même temps. Donc là, j'ai un peu mon doigt devant, je suis désolée, mais j'ai besoin de tenir ma toile quand même. Il fait un temps, mon Dieu, aujourd'hui c'est une catastrophe. Alors j'ai regardé la météo. On est samedi après-midi, hein, pour vous situer un petit peu. Vous aurez sans doute cette vidéo demain si j'arrive à bien avancer. Mais honnêtement, vu le temps, c'est un temps à rester sur le canapé avec un plaid et un point de croix, sans souci, hein. C'est une catastrophe. La météo, c'était une catastrophe sur toute la France. Alors on a quand même plus chaud que dans le sud au niveau des degrés, mais il y a de la pluie quoi. Pff, ça s'arrête pas.
Ça ne s'arrête pas. Et apparemment, il faisait tellement beau en Alsace cette semaine quand on n'était pas là. Bon, en vacances, on a eu une journée et demie de pluie sur la semaine. Donc, alors, on a profité quand même hein, parce qu'on avait tous des vestes, capuches, voilà. J'avais le petit dans le porte-bébé et vous savez, j'ai un truc en plastique à mettre sur sa tête, pareil, comme une capuche pour qu'il soit protégé. Il est en dessous en fait. C'est super bien fait parce qu'il est complètement au sec. C'est déperlant, donc hop, avant de le décrocher, il suffisait que je secoue toutes les gouttes tombées par terre et non, vraiment top. Voilà, on a quand même visité. Alors, je vous ai pas fait de petite vidéo parce qu'effectivement, il pleuvait et que j'avais souvent bébé avec moi sur le ventre, donc je vous ai pas fait de vidéo, mais je vous raconterai tout ça sans doute dans une autre vidéo blabla d'épée cette fois-ci. Voilà, ça a fait du bien de couper, de voir autre chose. Bon, au final, à regarder comme ça pour l'instant, le rendu des croix sur la première ligne, hein, c'est pas mal en fait avec deux brins. C'est bien couvrant. Ah là là, ces nœuds. Effectivement, vous voyez, avec mon pouce en fait, ça tient chaud. Et regardez, j'ai effacé ma trace. Vous savez, mon petit repère pour les 7, elle est encore là. On le voit un petit peu entre les rainures, mais sinon, je l'ai effacé. Donc effectivement, à la chaleur, hein, c'est vraiment ça, parce que j'ai les mains toutes chaudes. Encore un nœud, décidément. Alors, je ne sais pas si c'est la longueur ou si c'est le passage dans une toile plastique. Si ça vient du fait que je n'ai pas coupé mon fil. Alors, j'ai quand même limité puisque j'ai passé. Vous voyez, j'ai pas mal de fils dans le chat en fait. Donc, ça limite quand même la façon de tirer. Ouais, mais c'est un super support à broder, hein. Je suis vraiment contente. C'est la journée de tournage vidéo pour moi. J'avais 4 colis dans la boîte aux lettres, enfin sur la table qui m'attendait puisqu'on m'a vidé la boîte aux lettres pendant que j'étais pas là. Donc il fallait que je tourne tout ça et puis bah du coup j'avais dit que je commencerais des choses avec vous donc. Et j'ai pas très envie en fait de vous mettre les unboxings l'un à la suite de l'autre. Je trouve pas ça très intéressant si entre vous ne voyez pas au moins des petites réalisations. Donc normalement cette vidéo elle sortira dimanche. Samedi vous aurez vu l'unboxing. Voilà, et dimanche, vous aurez déjà un début de réalisation. Donc ça, c'est cool, hein, quand j'ai le temps de faire comme ça, j'adore vraiment. Allez, on attaque une deuxième ligne, du coup. Puis lundi, vous aurez un autre unboxing, par contre. Celui-là, il est arrivé mardi, le colis, donc j'ai pas trop envie de traîner. C'est aussi un partenariat. Je me pique le doigt. Vous y voyez bien, ouais, ça va, vous y voyez bien. Vous voyez le rendu? C'est top, hein? À voir ce que ça donne. Franchement, je suis curieuse du rendu final. Alors, ce marque-page, il va être de plus en plus intéressant au fur et à mesure qu'on avance, en fait, hein. Parce qu'en bas, on n'a que du noir, mais avec le petit peu de jaune. Regardez. Le petit peu de jaune. Mais sinon, voilà, quand on va arriver à ce niveau-là, on va dire, on aura un peu de couleur numéro 8. Alors ça, c'est du gris, mais voilà.
On va commencer le blanc, puis après on va arriver dans les rouges, le rose, le bleu. Donc au fur et à mesure, voilà, qu'on va monter, il va devenir de plus en plus intéressant. Voilà aussi pourquoi j'ai commencé par le bas. Je préfère découvrir comme ça que de me garder tout noir pour la fin. C'est décidément encore une vidéo où on fera du noir. Je vous promets que je fais autre chose hein, à côté. Vous allez bientôt voir d'ailleurs d'énormes blocs de couleurs. Je vous en dis pas plus, mais voilà. À côté de tout ce noir, que ce soit en DP ou en point de croix, je fais aussi de la couleur pour contrebalancer. Bon, vous allez me dire avec la pluie, hein, ça me dérange pas, honnêtement, de faire que du noir. Mais terminer mon fil avec vous, on va voir si ça va pas faire trop long. Ça aurait été bien de faire une couleur de une longueur de fil complète. On va voir ce que ça donne. Du coup, vous avez été nombreux à me demander comment allaient mes enfants. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est vrai que ces deux dernières semaines, niveau santé, c'était assez difficile. En fait, ils me faisaient un truc l'un après l'autre. Donc, dès que j'étais tranquille sur un, il y en avait un autre qui recommençait. Elena a fini par être sous antibiotiques, là, jusqu'à mardi. En espérant qu'après ça, ce soit réglé. Une ambulance qui passe. Léon, il m'a fait une petite réaction en vacances. Je pense que c'est... En fait, je lave tout son linge au savon de Marseille. Je prends mes paillettes dans une savonnerie dans le sud, en fait. J'y vais au moins une fois par an, donc je me fournis là-bas. C'est la savonnerie Marius Fabre, peut-être que vous connaissez peut-être. Elle est à Salon de Provence. Et je prends mes paillettes de savon de Marseille là-bas. Elle est sans glycérine. Donc en plus, pour les couches lavables, c'est top. Voilà, vu que j'en utilise pour mon petit. Et je fabrique donc ma lessive moi-même. Et donc, pour bébé, c'est uniquement ça. Après, pour nous, bah, quand c'est du noir, du blanc, j'utilise des fois d'autres lessives, histoire de raviver un petit peu les couleurs. Mais lui, c'est uniquement le savon de Marseille. Et en vacances, ben, j'ai dû faire quelques machines, enfin quelques, deux, où j'ai mélangé et j'ai utilisé des petites capsules, hein, vous savez. Voilà, c'était plus facile à emmener. Parce qu'on voulait emmener... On partait à 5 dans la voiture, donc il fallait limiter les bagages. Vous voyez, alors là, il y a quand même un petit fil qui part. Donc, il faudra faire attention pendant que vous brodez, que ça ne s'effiloche pas trop. Puis ensuite, après, avec le fil de pêche, ça sera réglé. Hein, parce qu'on va faire un espèce de point de surjet pour fermer, pour relier et pour fermer le marque-page. Donc, avec le point de surjet à la main, ça ne bougera plus, mais voilà, tant que vous brodez, il faut faire attention que ça n'arrive pas à la limite de vos points, sinon ça peut être galère. Donc je disais, oui, qu'on partait à 5, donc on a limité les bagages. J'ai donc du coup prévu 2-3 capsules de lessive ben, pour laver un peu de linge, quoi. On a quelque chose à se mettre toute la semaine. Et puis, comme j'ai mélangé le linge et que j'ai mis cette lessive, je pense qu'il m'a fait une petite réaction.
Donc j'ai rendez-vous chez le pédiatre la semaine prochaine pour la visite du mois. Donc je vais lui montrer. Après, il a une peau très très fragile hein, de base. J'ai surveillé qu'il n'avait pas de température ni rien avec ses petites plaques et ses petits boutons, mais non. Il est en forme, il mange, donc voilà, ça n'a pas. Je me suis dit que ça peut attendre le rendez-vous chez le pédiatre. Mais bon, c'est. Déjà avec une, quand elle était malade, je m'inquiétais tout le temps. Mais alors là, l'un après l'autre, je suis épuisée. Je suis épuisée de m'inquiéter, de courir à droite à gauche chez les médecins. Puis bah, quelque part, je me dis heureusement que c'est tombé pendant les vacances, surtout pour ma fille. Parce que si ça avait dû être l'école, j'imagine même pas la chercher en urgence parce qu'elle était pas bien. Donc bon, c'est sûr que la première semaine de vacances, surtout, on était à la maison, ça a été moins sympa. Voilà, mais au moins, elle a pu se reposer, on n'était pas obligé de sortir nulle part. On faisait vraiment à notre rythme. Et du coup, ben, après-demain, c'est déjà la rentrée. Au final, c'est passé hyper vite. Ouais. Du coup, on va recommencer les allers-retours pour la chercher à l'école, pour l'emmener. Ce serait bien que le soleil revienne, histoire que je puisse faire ces allers-retours à pied. Bon, on arrive sur la fin de la deuxième ligne. Et franchement, je trouve ça pas mal du tout. Au niveau du rendu, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer quand j'ai fini là. Complètement. Alors, j'ai pas encore usé mon fil. Hein. Enfin, je suis pas encore à la fin de ma longueur de fil. Hein. Pas du tout. Je pense que je fais une voire deux rangées encore facile. Ouais, peut-être deux. Allez, encore 3 points. C'est la première fois pour moi que je fais un marque-page. Première fois pour moi que je brode sur une toile plastique. Ça en fait. Hein. C'est pas la première fois du 14CT et c'est pas la première fois du point compté. Ça a quand même facilité un petit peu le travail. Voilà, on est au bout des deux lignes. Regardez voir au niveau du rendu, c'est sympa. Hein, c'est sympathique. Je vous montre l'arrière. Voilà. Bon, bah du coup, moi je vais finir mon fil, voir combien j'en fais encore et puis je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai fini mon fil. Donc au final, j'ai presque réussi à faire 4 rangées entières. Donc 4 rangées, ça fait 28, 56, 112. Ouais, 112 points. Donc il me manque 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a fait 107 points avec une longueur de fil. Donc c'est pas mal. Et le rendu est plutôt bien. Voilà, j'aime beaucoup pour l'instant. C'est assez serré, assez fluffy hein, pour moi.
Donc je pense effectivement que bah, le 14 CT de brun, ça suffit amplement. Voilà, bah écoutez, moi je vais continuer dans mon noir et je vous reprendrai peut-être un peu plus tard, soit aujourd'hui, soit demain, pour vous montrer ce que j'aurai fait. Et on fera encore un petit bout de couleur ensemble selon comment j'aurai avancé. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous. Et coucou à tous, je vous reprends, on est dimanche matin pour moi. Donc j'ai bien avancé hier soir sur le noir, hein. J'ai vraiment fait en remontant, voilà, je me suis laissé des petits trous. On a notamment le jaune à faire, on a la couleur numéro 8, c'est un gris foncé. Et ici également, ça va être du gris foncé. Donc je me suis dit bah, que j'allais remplir là ces petites zones avec vous. J'ai laissé mon fil noir en cours là-haut, je le reprendrai plus tard, mais je ne voulais pas le couper. Et donc on va commencer par la couleur numéro 7, donc c'est celle-ci. Hop, j'ai qu'un fil, hein, parce que bien sûr, j'en aurai largement assez. On prend deux brins. Donc c'est un petit projet, mais effectivement ça prend du temps. J'en ai discuté hier avec Laure. C'est sûr que c'est pas fait. C'est sûr que c'est pas fait en une journée. Alors attendez, je sors du champ pour diviser mon fil. Il veut pas. Voilà. Ouais, donc effectivement, c'est pas fait en une journée ou en une soirée, hein. Moi, j'ai commencé. Bah, je vous ai filmé la première partie de vidéo hier après-midi. J'ai continué dans l'après-midi. Et après manger, j'étais dessus aussi, hein. Et pourtant, regardez. Alors, j'ai bien avancé, hein. J'ai quand même fait quelques points. Mine de rien. Mais ouais. Le point de croix, de toute façon, à part des très 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 petits personnages, ben ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Alors, je suis en train d'enfiler mon fil et je vais tout de suite égaliser mes longueurs. Voilà, et on va y aller. Donc, j'ai toujours mon petit patron à côté de moi et vous voyez, attendez, je sors l'aiguille de ma bouche. On va commencer par le 7. Donc le 7, je vais aller faire un point ici dans mon coin. Et ensuite, j'aurai une ligne entière. Puis 2, je laisse un blanc et j'en refais 2, etc. etc. C'est vraiment comme ça qu'on fait du point compté. Alors, on y va. Point d'arrêt. Comme d'habitude. Et les nœuds recommencent. J'ai eu que ça. Hein. Je ne sais pas si c'est la longueur, je pense pas, parce que du coup sur des toiles, je dois encore égaliser. Sur des toiles en 11 CT, ça ne me le fait pas du tout. Je pense que c'est vraiment le passage dans la matière plastique qui fait que le fil a tendance à plus s'enrouler. Bien sûr, j'ai pris mon. Alors j'ai un ciseau là qui est nul, nul, nul. Vous savez, ces petits ciseaux que j'achète chez Action, et en fait, ils sont tous très bien. Mais là, il y en a un, il n'est pas aiguisé, je crois qu'il va. Il va finir à la poubelle. J'adore ces petits ciseaux, je crois qu'ils sont 49 centimes ou 60 centimes chez Action. Ils sont top. Mais celui-là, je suis tombée sur le mauvais. Bon, je ne sais pas si je suis pas allée trop loin avec mon fil. Est-ce que mon point d'arrêt va tenir? Oui. Parfait. Donc hop. Voilà, donc je voulais vous prendre pour cette partie parce que moi j'aurais continué le noir. Hein. Vous voyez, il n'y a pas. J'ai pas coupé parce que bah, je vais continuer. Mais je me suis dit effectivement qu'il fallait que je vous reprenne dans une partie où je fais pas du noir parce que. J'en ai pas mal sur toutes les toiles que je fais en ce moment. Et voilà, au moins vous allez voir un petit peu de couleur. On est dimanche matin pour moi. C'est de nouveau super couvert. Il a plu cette nuit.
Ce matin, il pleut plus, mais c'est gris, quoi. C'est vraiment pénible ce temps. On peut pas être au jardin, on peut rien faire. On est allé voter tout à l'heure à pied, ça nous a fait la petite balade du matin. Petit nœud. Est-ce que je vais réussir à le défaire comme ça? Bon, je vous mets vite en pause, je reviens. Voilà, je vous reprends. Donc j'ai pas réussi à défaire le nœud, j'ai dû couper et puis du coup j'ai fini ma petite ligne. Donc j'ai toujours mon patron à côté et je continue. Hop. Et du coup j'ai coupé mon fil en deux là, comme je sais que j'en aurai largement assez. Je ne me suis pas gênée parce que j'en ai ras-le-bol de ces nœuds. Surtout que c'est toujours moins confortable hein, de filmer, de broder en filmant en fait, hein, et de faire attention à rester dans le cadre. Donc j'ai tendance à faire plus de nœuds que quand j'ai la toile bien proche de moi, que je ne filme pas. Voilà, pour filmer les petites longueurs, c'est plus pratique. Alors après avoir passé une soirée dessus, je vous confirme que c'est bien bien agréable. Vraiment. Hier soir, ouais, j'étais à table. Parce que du coup, il y a mon beau-fils et ma belle-fille qui sont restés manger. Bah, du coup, après manger, on est resté à table pour discuter. Moi, j'ai pris mon petit point de croix. Voilà, en discutant, c'est bien sympa. Et franchement, c'était top. J'ai adoré broder ce support hier soir. J'ai vu, ouais, qu'il existait des morceaux de toile comme ça, plastifiés. Alors, elles sont pas blanches. J'en ai vu des transparentes sur Amazon. Et en fait, ça me dit bien de faire des petits projets. Donc ouais, je pense qu'un de ces jours, je vais me laisser tenter. Ça peut être pas mal du tout. Bon, il y a bébé qui pleure en bas, mais normalement, il y a papa. Hein. Enfin, pas normalement. Voilà, j'en profite de filmer le dimanche. Parce que je sais que quelqu'un prend le relais. Alors, en vacances, j'ai découvert les joies du porte-bébé. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être que je radote. Hein. En fait, j'ai tourné tellement de vidéos là depuis hier que je sais plus ce que je vous ai dit ou pas. En tout cas, ouais, le porte-bébé, c'était génial. Je ne l'avais pas encore utilisé. J'en avais pas pour ma fille quand elle était petite. Mais c'est trop génial. Pas de soucis sur les trottoirs. Pardon, je suis plus trop dans le champ. Sur les trottoirs avec la poussette. Pas besoin de la porter quand il y a des marches. Non, c'est vraiment bien, hein, franchement. Je suis conquise. Désolée si je parle pas trop ce matin. Du coup, là, j'étais subjuguée par mes poings. Comme quoi, on se détend vraiment
En brodant, enfin moi c'est mon cas, hein. J'adore. Alors, j'ai fait ça, donc là il y en a juste un dans le coin. Voilà, donc vous suivez vraiment. Après, moi j'ai encadré justement pour que ce soit un peu plus facile. Vous pouvez très bien fonctionner ligne par ligne et du coup avoir fait le jaune tout de suite. Je tire juste sur mes brins parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus à la même longueur. Voilà, après, il faut tenter. Moi je sais que je préfère comme ça, par couleur. Il faut tenter et voilà, voir ce qui vous plaît. Et ensuite, on a toute la ligne pour finir. Et je vais tout de suite les fermer parce qu'ensuite je vais aller finir mes points de l'autre côté. Quelqu'un qui fait des travaux. Vous entendez peut-être aussi. Bizarre, un dimanche. Mais bon. Ouais, je pense que cet après-midi, ça va être tranquillou série. On a commencé là avec mon mari la dernière saison de Elite qui est sortie sur Netflix. On avait beaucoup aimé les quatre premières, les intrigues, etc. Et là, avec la saison 5 qui est sortie, ben on est en plein dedans. On est à l'épisode 4. Donc, je pense que cet après-midi, on va se faire ça pendant la sieste. Et puis, ah non, ça va être dimanche cool. On va pas aller se promener vu qu'il fait moche. On a voté, donc ça c'est fait. Voilà, donc dimanche tranquillou, télé, linge de temps en temps pour moi. Dès qu'une machine est finie, hop, j'étends ou je mets dans le sèche-linge. Voilà, vraiment dimanche, mémère pépère, hein. Ça fait du bien aussi, surtout que avec le retour de vacances. Après, j'ai un petit souci d'un brin là. Ça va peut-être plus voir avec la croix fermée dessus. Ouais, c'est bon. Oui, parce que du coup, moi j'avais mes parents dans la voiture. Enfin, ma mère et mon beau-père. Mon mari, il était en chantier, donc il est parti avec son patron en camionnette. Et du coup, bah moi j'avais tout le monde dans la voiture, les enfants, mes parents, et c'est moi qui roulais aller-retour entièrement. Voilà. Bon, écoutez, là ma croix, je suis pas trop contente. Bon, ça va, ça peut aller. On verra après quand les trous seront comblés. Je vérifie si j'ai tout bien fait de cette couleur. Oui. C'est bon, donc celle-ci, j'en aurai plus besoin. Je vais aller caler mon fil. Alors avec la toile plastique, hein, il faut prévoir un petit peu plus de force. Voilà. Alors, je vais raccrocher mes restes de fil à la plaquette. C'est pour ça que vous ne me voyez plus. Que c'est difficile de tout faire dans le champ. Et je vais vous montrer la prochaine couleur qu'on va prendre du coup pour combler le petit trou. Donc c'est la couleur numéro 1 et c'est celle-ci. Donc un jaune bien pétant.
Comme il n'y aura que ça, pareil, je vais couper mon fil en deux. Hein. Ça va nous faciliter la tâche. Et pour diviser et pour broder sans nœud. Donc je prends mes deux brins. Mon aiguille. J'enfile. Voilà. Et donc, j'ai mes petits déchets là-bas. Hop. Et ben on va commencer par en bas, là, comme avant. Et je fais mon point d'arrêt dans un bras horizontal. Hein, et je reviendrai après sur celui d'à côté. Je laisse délibérément le carré vide là. Alors, est-ce que j'arrive à passer sous les deux? Hop, j'égalise. Oh, ce ciseau, la cata. Du coup, dites-moi aussi si vous avez déjà fait ce genre de petit objet. Je suis curieuse. Je sais que Mélissa, du coup, on a fait un. Je l'ai vu terminer. Et c'est elle qui m'a donné pas mal de conseils aussi. Parce qu'au départ, moi, je pensais pas du tout que c'était recto verso, ce genre de marque-page. Après, c'est dommage qu'ils aient pas prévu un verso différent. Du coup, là, on va broder deux fois la même chose. Je serais peut-être un petit peu moins motivée pour le dos, on va dire. À moins que j'essaye moi de faire autre chose au dos, je sais pas. Je verrai. Je verrai. En tout cas, ma fille m'a déjà dit, quand tu l'auras terminé, il sera pour moi. Donc, il va aller dans son livre d'histoire du soir. Comme ça, on mettra le marque-page là où on s'arrête. C'est un livre avec une histoire par soir, vous savez, sur l'année complète. Il y a 365 histoires. Donc, on mettra le marque-page pour s'y retrouver plus facilement. C'est une bonne idée. Ensuite, bah, il nous suffit, là on n'a plus trop besoin de compter hein, parce qu'il nous suffit de combler les trous. Je suis toujours dans le champ, oui. Je suis même peut-être un peu trop zoomée, hein. Je sais pas si vous voyez bien, du coup j'ai pas regardé. Bon, du coup, ouais, vous aurez cette vidéo cet après-midi, dimanche. J'essaie de faire des petites choses quand même entre, parce que je vous ai dit qu'il y avait plusieurs unboxings qui arrivaient et j'ai pas envie de vous mettre les 5 unboxings là à la suite. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aimez quand il y a des unboxings, si ça vous dérange pas qu'il y en ait plusieurs à la suite, parce que du coup je vais quand même essayer de vous caler des petites vidéos réalisation entre, hein, que vous puissiez voir des choses. Dans les unboxings qui arrivent, il y a autant de points de croix
marque de Diamond Painting. J'ai pris des toiles, j'ai pris des accessoires. Vous allez voir vraiment un petit peu de tout, hein. Je voulais ça aussi. Il y aura des petites choses nouvelles sur la chaîne. Des objets nouveaux. Au final, j'ai l'impression que ça rend quand même bien ce petit espace jaune. Je me demandais ce que c'était en fait, et c'est le sol hein, qui m'ont fait brillant. C'est dommage qu'ils aient pas un peu mis, vous voyez, sur toute la longueur pour égayer un petit peu le bas. Et le bruit aussi du passage du fil hein, dans les brins, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, on est sur les trois derniers points jaunes là. Je vais ensuite vous montrer la couleur pour le reste des petits espaces blancs. Mais je ne les ferai pas avec vous parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Donc je vais les faire de mon côté et je pense que je vous reprendrai juste en fin de vidéo quand j'aurai complété là mon... Quand je serai arrivée au niveau du noir en fait, hein, que j'aurai fait mon carré là. Bon, vous aurez vu un petit peu de broderie en couleur. Je suis contente. Voilà, le jaune c'est fait. Ouais. En fait ça rend super bien, je suis contente. Alors, on va coincer le fil. Hop, je coupe. Et voilà. Donc la prochaine couleur, c'est celle-ci, la numéro 8. Et c'est du gris foncé. Il est très joli. Donc je vais aller combler mes petits espaces. Je vais remplir ici et puis je vous reprends pour vous montrer le résultat. Et voilà, on se retrouve. J'ai fini mon petit carré. Voilà, j'ai comblé mes trous. Bah écoutez, je suis plutôt contente du résultat pour le moment. J'ai hâte de voir tout ça fini. Voilà. Ouais, je suis plutôt contente. On voit un petit peu par moment, vous voyez, selon comment je le pose, on voit un petit peu le blanc de la toile en dessous. Mais ça va. Et je me dis que peut-être en ayant l'autre côté après, ça, je sais pas. On verra. On verra en tout cas le résultat. Je suis plutôt contente pour le moment. Voilà, j'ai laissé mes petits fils pour pas les couper, je les continuerai plus tard. Maintenant je vais aller sur une autre toile et faire un petit peu de DP, sans doute cet après-midi. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit aperçu de ce que ça peut donner. Donc voilà où on en est. On a quand même pas mal avancé, hein. On a quand même pas mal avancé, moi je dis. Voilà. Bah en attendant, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine. On se retrouve demain pour un nouvel unboxing. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des petits commentaires comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Prenez soin de vous. Bisous bisous. Bye bye.